va nous appeler et c'est l'équipe de France qui va en place maintenant sur la terrain de Beach Handball pour le troisième match de cette dernière journée de ce showcase international de Beach Handball organisé par l'IHM. Et à ce moment-là, handball. Qui sont les toutes meilleures joueuses mondiales, la team Vela. Et messieurs, dames, je vais vous demander dans un premier temps de bien vouloir accueillir les deux délégués de cette rencontre. Ladies and gentlemen, please welcome the two delegates for this game. From Spain, Paola González Casales, and from Greece, Yanis Memaridis. Applaudissements également pour les deux arbitres de cette rencontre, les deux arbitres polonaises de cette rencontre. Ladies and gentlemen, please welcome the two referees for this game. From Poland, Sylvia Bartowiak and Veronika Lakomi. Et maintenant, merci d'accueillir par vos applaudissements la team Vela. Ladies and gentlemen, please welcome the team Vela with the number one from Greece, Magdaleni Kepesidou. The number two is from Netherlands, Rian Mol. Number three from Norway, Elisabeth Hammerstadt. Number five, do Brazil, Patricia Skepa. The number seven is from Hungary, Renata Csiki. Number 13 from Argentina, Gisela Bonomi. Number 33 from Denmark, Lynn Christensen. And the number 37 from Spain, Jimena Laguna. The team is coached by Maria Carantoni from Greece and Mladen Palcic from Croatia. Ladies and gentlemen, please applaud the team Vela. Applaudissements pour la team Vela, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il va être l'heure maintenant d'accueillir l'équipe de France. And now, ladies and gentlemen, please welcome the French team with the number six, Mathieu Gablo. La numéro 13, number 13, Laurie Perrault. Celle qui porte le numéro 14 de l'équipe de France, number 14, Lali Brouillet. Numéro 15, number 15, Esmeralda Almeida. Numéro 28, number 28, Hélène Falcon. La numéro 59, number 59, Nina Flotsch-Hubert. Okay.
La numéro 88, c'est le numéro 88, Joyce Bibou! Et enfin, la numéro 95 du bruit pour Away! L'équipe de France est entraînée par Marie-Dimal et Paul Mouriou. Applaudissements pour l'équipe de France! Allez, le match va commencer dans quelques instants maintenant, dans moins d'une minute. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour encourager les deux équipes et notamment l'équipe de France. Allez, nous sommes de retour hein, en ce début d'après-midi avec la suite des réjouissances, des festivités avec l'équipe de France féminine qui dispute son premier match de la journée. Le coup d'envoi est donné. L'entre-deux avec l'équipe Vela qui récupère ce premier ballon et marque ce premier but, les deux premiers points. Jérôme Roland est dans ma compagnie. Jérôme Roland, arbitre international. De handball indoor, de handball, de beach handball, et qui est une des chevilles ouvrières de l'évolution du beach handball en France. Salut Jérôme, ravi de te retrouver. Bonjour José, bonjour à tous. Alors, on est au troisième jour de, non pas dire de compétition, mais de showcase. Voilà, on voit, eh bien, toujours autant de plaisir et toujours autant d'engagement, malgré, eh bien, la fatigue, forcément, et légitimement se fait sentir. Voilà, pour les filles, ça fait 2-3 matchs par jour. Donc, sur le sable, c'est très éprouvant. Et la fatigue commence à sentir. Mais je pense qu'avec l'enjeu, ce sont de vraies compétitrices. Et elles vont aller au bout de leur retranchement pour trouver les forces et essayer de vraiment faire une belle prestation contre Vela, contre les Rouges. Ah, l'équipe de France de Pépine, de Marion Lima, là, qui a montré de belles choses hein, jusqu'alors, sans parvenir quand même à avoir la petite carotte, le résultat final à l'arrivée, pour être récompensé de tous les efforts et de tout ce qui a bien été entrepris. Bien sûr qu'on l'a dit, on le répète, il y a surtout l'idée de se confronter à ces joueuses. Mais quand même de pouvoir l'emporter. Elles ont souvent remporté les premiers sets et a été emmené au shootout, et là c'est là où ça a un petit peu pêché. C'est ce qu'on est venu chercher sur ce showcase pour nos équipes de France, de l'expérience de ces matchs contre des joueurs de très 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 haut niveau. Et je suis sûr que même s'il n'y a pas de victoire au bout, notamment pour les filles, ça va leur permettre d'engranger énormément d'expérience, et ça va être très très bénéfique dans la préparation pour l'année prochaine du championnat d'Europe. Jérôme, on a été ensemble en début d'après-midi hier. Entre-temps, il y a eu des matchs. On a eu le match d'équipe de France, hein, garçon, hein, qui avait livré une super prestation face à l'équipe avec les Pegasus, qui a ensuite gagné en fin de journée contre Draco. Déjà, je voudrais revenir avec toi sur ces deux belles performances, ce beau comportement de l'équipe masculine, et aussi de manière un petit peu plus globale. Il y a eu le spectacle, il y a eu vraiment aussi les deux équipes au sac qui sont affrontées avec un très beau match. Et derrière, dans l'équipe, il y avait du beau monde, il y avait du beau monde qui a pu assister à ce qu'on voit de mieux, la meilleure des promotions de la discipline. Ouais, je pense que hier, tu as raison, on a eu deux matchs clés. Déjà, le premier avec cette équipe de France garçons qui a fait vraiment un match abouti,
avec une grosse défense, Maxence Galaz dans les cages qui a fait énormément d'arrêts. Et puis des ballons qui ont été montés, on s'est projeté énormément vers l'avant et beaucoup d'efficacité. Je pense notamment à Mathias Bertrand qui a été très très efficace en attaque et Laurence avec son spécial, on va dire, tir à l'horizontale. Donc vraiment, on a assisté à une très très belle prestation. Je pense un match référence pour cette équipe de France. Quand je discutais hier après le match avec Aurélien Mondini, il avait des étoiles plein les yeux et je suis sûr que pour un gamin de 18 ans, ça va lui servir énormément pour la suite de sa carrière et la suite de cette équipe de France. Et voilà, et c'est pour ça que dans la même veine, on espère que l'équipe de France aille chercher, en dépit, on le disait, de l'aspect compétition proprement dit, ces matchs où on s'est dit on a battu des joueuses de niveau international, les meilleures de la discipline, et cela dans l'esprit de la progression lors des Euros, des prochains Euros, puisqu'on rappelle que l'équipe de France est qualifiée pour le prochain Euro après avoir une belle médaille d'argent sur les Euroqualifs à Varna en Bulgarie. Bien voilà, il faudra ce genre de performance pour faire grandir encore plus rapidement ces jeunes pousses, parce que je le rappelle, elles sont très jeunes, les joueuses de Marion Lyon. Oh, tout à fait. Ça va servir pour mes deux équipes de France. Ça va servir. Puis tu parlais aussi de ce deuxième N20. On a eu la chance de recevoir ici, d'avoir la présence du président de la Fédération internationale de handball, donc Hassan Mustafa, qui était présent là avec énormément de présidents de fédérations. Je pense à la fédération croate, espagnole, suisse. Donc, ils sont venus voir et pour avoir discuté avec Jean-Pierre Massi, donc le responsable du beach handball au niveau de l'IHF. Ils ont discuté hier soir et il a eu énormément de bons retours. Et tout le monde disait waouh, ce jeu est très spectaculaire. C'est vraiment très, très agréable à voir. Donc, un très gros point de très bon point de marqué pour le beach handball avec ce showcase et cette organisation de l'IHF avec la Fédération française de handball. D'ailleurs, Jérôme, à l'issue de ces trois jours, il est prévu une sorte de briefing, de bilan et des projections sur le futur. Tout à fait, tout à fait. Chaque fin de saison, donc la fin de saison du beach handball, bien sûr, elle est décalée par rapport à la saison de indoor. Donc chaque début de saison, et ça se passera à la maison du hand, nous avons une réunion avec le pôle beach de la Fédération française de handball pour faire le bilan et puis pour se projeter pour l'avenir et voir un peu toutes les manifestations qu'on peut organiser. Je pense à la Coupe de France à Châteauroux, les intercomités chez les jeunes qui vont prendre une place de plus en plus importante. Donc beaucoup de choses à organiser et à mettre en place. On va raccrocher avec le direct et l'équipe de France qui menait de 4 points à pratiquement 6 minutes dans ce premier set. Une équipe de France, il faut composer bien sûr avec les petits bobos, les petites fatigues et puis surtout face à l'adversité et à cette équipe en face là qui arrive à trouver ses marques. Hein. Ça, c'est ce qu'on a pu constater chez les garçons et même chez les filles. C'est que ce sont des filles de différents pays, différents continents même, qui constituent ces équipes All-Star. Mais on le sent, elles parlent le même langage beach et elles commencent véritablement à trouver leur marque et des affinités. On l'a vu sur l'action d'avant avec Gisela Bonomi qui est vice-championne du monde, la numéro 13 pivot chez les Rouges, qui a reçu une très très belle passe en pivot. Et ça, avec des joueuses comme Renata sur le terrain, la spécialiste, elle peut vraiment donner des super ballons, comme ici avec l'Espagnol numéro 37 Jimera Laguna pour un superbe Kung Fu et deux points. Thaïs Libou à l'intérieur pour Laurine Perrault. Ah, elle était dessus. La gardienne grecque, elle avait la puissance nécessaire pour permettre à Laurine Perrault de ramener son équipe à 6 points. Juste après cette rencontre, si vous êtes avec nous, ne coupez pas, il y aura les garçons qui disputeront leur premier match de la journée. L'équipe de France face à la team Aquila. Vous retrouverez notamment des champions du monde croates en face. Et puis avec cette idée, cette curiosité, on a évoqué la performance de la veille de l'équipe de France. Bien, c'est de voir bien dans quel état de confiance ils sont, s'il va y avoir de la continuité dans la performance et même parler d'exploit. Pourquoi pas, avec pleine de confiance.
ça peut le faire. Donc, l'équipe de Vela, grosse défense avec Patricia Chapa qui défend en 1 à droite et qui vient d'obtenir d'affiger la 2 passages en force. Ah, c'était difficile ici pour la spécialiste Awen Follet et le but de la gardienne grecque. Bien sûr, la cage d'Hélène Falcon a été désertée, forcément, parce que bon, on va juste faire une petite ellipse, aller sur ces 2 minutes, parce que si vous nous rejoignez, eh ben, c'est pas bien que maintenant, c'est déjà bien d'être là, mais que maintenant, vous avez raté beaucoup de choses et avant-hier et surtout hier, lorsque le climat était beaucoup plus propice. Mais voilà, donc les buts d'une gardienne compte 2 points, les 360, 2 points, les coups, les pénalties aussi. Voilà, on a quasiment tout cela là, ramassé en quelques... Sept tirs primés, on peut rajouter le tir du spécialiste quand il est sur le terrain. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, spécialiste sur le terrain, arrêt du gardien, et donc tir direct du gardien qui récupère le ballon, ça réussit 2 points. Voilà les 5 tirs primés qu'on a au Bichanbach. Voilà, dans ces deux périodes de 10 minutes, c'est en ça où il reste 1 minute 30. Bon, on va pas se le cacher, celle-ci va... très vraisemblablement tourné à l'avantage de cette Team All-Star, cette Team Vela. Rien n'est perdu. On sait que le deuxième set, c'est un autre match. Et il y a vraiment moyen d'aller chercher cette équipe de Vela, de retrouver de l'efficacité. Ouais, Nina, bien terminé. Essayer d'emmagasiner un petit peu de confiance avant d'entamer le deuxième set où les compteurs sont remis à zéro. C'est ça aussi la spécificité du beach. C'est ça. Et puis les équipes les plus fortes en général, elles font un très gros set, comme qui cette équipe de Vela. Et dans le deuxième set, souvent, inconsciemment, ça baisse de pied, c'est trop facile, on baisse de pied. Et ça laisse la place pour, pourquoi pas, notre équipe de France d'aller chercher le deuxième set. Et on sait qu'au shootout, c'est bien souvent un petit peu la loterie aussi, même s'il y a du travail derrière. Oui, c'est la loterie, ça, la loterie un petit peu de chance. Au football, ce sont les phrases qui ressortent régulièrement et beaucoup veulent tendre le cou à cette expression en disant ouais, il y a quand même du travail et je serais tenté de dire encore plus de travail pour les shootouts lorsqu'on voit les spécificités et les différentes tactiques à adopter, que ce soit offensives et défensives. Pour les gardiens, comme David, on peut prendre un joueur ou un véritable gardien si on veut intercepter et on met un joueur sur le terrain. Donc oui, beaucoup de stratégies différentes pour ces shootouts. Impérial tout au long de ce set, la gardienne grecque qui m'a pris d'honneur à sortir ce dernier tir. De Thaïs Vigourou, victoire dans ce premier set de la team Vela, 24-16. Bon, bien sûr qu'on a un petit brin cocardier chauvin, mais là, force est de constater que cette équipe en face, Vela, team Vela, est supérieure à l'équipe de France. Ça s'est matérialisé sur ce set. En place, c'est très propre, ça joue vraiment correctement, c'est très très efficace. Je pense que l'équipe de France manque un peu de jus, tu l'as dit, troisième jour, et quand les filles commencent à être fatiguées, même si avec la maison duale, on a les installations de l'équipe nationale, elles peuvent faire de la cryothérapie, elles ont la salle de muscu, elles ont tout pour récupérer au mieux, il y a des kinés, il y a des docteurs. Donc j'espère qu'elles vont retrouver tout ce qu'il faut pour aller chercher ce second set. Ouais, déjà là, elles vont les récupérer à l'ombre parce qu'il fait très chaud. Nous aussi, on va souffler un petit peu et on se retrouve dans quelques instants pour le deuxième set.
des joueurs, des joueurs qui ont même 4 ans à Los Angeles, on l'espère en tout cas, c'est le but de la FIFA et de la Fédération française. Allez, nous sommes de retour pour le deuxième set de notre équipe de France féminine face à la team. Le premier a été compliqué, largement dominé par la team All-Star. Bien gageons que les quelques minutes entre les deux sets vont permettre à l'équipe de France de pouvoir ressortir un petit peu la tête de l'eau et surtout trouver des failles, des solutions face à la gardienne grecque qui a été très performante et déterminante. Avant que ça reprenne, ça serait quand même dommage de ne pas en profiter puisque tu es à mes côtés, parler des arbitres là de ce match et puis même d'une manière générale sur ce plateau avec une paire française, les jumeaux suédois et là ce sont des polonaises me semble-t-il qui sont des anciennes joueuses de beach. Exactement, des anciennes super joueuses de beach donc qui jouent avec l'équipe de Pologne et qui se sont mis à l'arbitrage, qui ont officié sur la dernière finale garçon de beach handball à Varna. Donc une paire vraiment très expérimentée. Et puis les Suédois, les jumeaux, Martin et Johan Gomer, qui eux aussi participent régulièrement à des championnats du monde, des World Games, savez-moi, l'année dernière aux États-Unis, et puis aussi en Europe sur diverses compétitions. Donc on a vraiment trois paires très expérimentées, puisqu'on a aussi une paire française avec Cédric et Mathieu d'Arifanac. Et voilà l'intervention d'Hélène Falcon. Oui, ça passe par là, évidemment, si l'équipe de France veut lutter, veut exister face à cette Team All-Star. Avec Aoun Follet pour Thaïs Vigo à l'intérieur, Laurine Perrault. Voilà une très belle séquence, malheureusement, qui ne sera pas récompensée la barre transversale, mais la balle n'a pas franchi. Alors, on retrouve souvent cette séquence avec l'ailier qui fait une 360 et une passe au pivot qui se retrouve tout seul. Donc dommage, c'est pas au fond, mais ça défend très bien. On récupère des ballons. Il va falloir être plus efficace en attaque si on veut vraiment embêter cette équipe de Villard. Allez, opportunité de débloquer encore le score dans ce deuxième set avec Aoun Follet, Nafeu Kubert. Ah, bien joué Thaïs Vigoureau. Le tir puissant et précis, point long. 2-0 pour l'équipe de France. Ça va vite. On a trouvé la faille. Pourquoi aussi on trouve la faille? Parce qu'on a parlé aussi des buts à deux points. Mais aussi, il faut parler, vous le constatez. Là, on a trois joueuses maillot rouge, trois joueuses qui n'ont pas adverse face à quatre joueuses françaises. On est systématiquement en situation de supériorité numérique à partir du moment où la gardienne sort pour laisser rentrer la spécialiste. Parfait, Jocelyn. C'est ça? Je pense que tu peux devenir arbitre. D'ailleurs, je te propose de venir arbitrer avec moi sur un prochain match amical. Ça serait vraiment sympa. Ah, ce serait bien. Il y a toujours ces pistes. Surtout, c'est le côté, un, spectaculaire, de fair play, festif et fair play. Et vraiment, cette notion de fair play, elle est primordiale et ce n'est pas vraiment que de simples mots vraiment pour dire voilà, venez. Ça se ressent et ça fait du bien. Jérôme, toi, tu es aussi de l'indoor où le handball n'est pas répliqué pour être le sport où il y a le plus de contestation. Mais il y a quand même encore beaucoup plus d'attitude cool, de respect là, dans cette discipline. Oui, c'est plus fair play, plus cool. Mais on en a parlé hier. Je pense que le fait de côtoyer dans un autre contexte, dans une autre atmosphère, les joueurs, les arbitres, les entraîneurs, tout ce monde-là dit ensemble. Et du coup, sur le terrain, on n'a pas ces relations conflictuelles qu'on peut avoir avec certains joueurs. Même s'il y a des joueurs en indoor qui sont très fair-play, il y en a énormément. Mais vraiment, le beach amène cette connotation vraiment fair-play, vraiment très très fun. Ah, la parade. Hélène Falcon, elle peut laisser sortir sa joie parce que c'est une très belle intervention sur Patricia Shepa, la brésilienne. Le ballon sera malgré tout rendu à la team Vela. Patricia Shepa, brésilienne, multiple reprises championne du monde. Donc là, Gisèle, vice-championne du monde cette année en Chine pour un super kung fu et deux points. Gisèle, bonhomie, l'Argentine.
petite scorie, cette passe pour Awen Poulet. Deux joueuses, Awen Poulet et Nina Procubert, bien sûr, qui évoluaient à Brest, au BBH, et donc dans cette équipe de Bretagne que Marion dirigeait. Et on l'a évoqué avec Eric Quintin, lorsque je lui posais la question, comment concrètement faire progresser encore plus le beach handball français, eh bien c'est avec ce travail en amont, le travail dans chacun des territoires pour faire grimper le niveau national et ensuite avoir la crème, avoir les meilleurs joueurs et joueuses de l'équipe de France. Si le niveau monte dans les territoires, il sera automatiquement plus fort avec l'équipe nationale. Et ça, il est... Exactement. Tu as commenté cette année la Coupe de France des territoires à Châteauroux. Et on a vu que vraiment le niveau avait vraiment augmenté. Donc il y a vraiment de travail de fait dans tous les territoires, dans toutes les ligues. On a en plus maintenant ces intercomités aussi qui avaient lieu une semaine avant la Coupe de France des territoires, où il y a des jeunes qui jouent de plus en plus tôt au beach handball et qui ont un savoir-faire vraiment avec ça fait énormément de choses à leur âge. Donc tout ça, ça va travailler ensemble, ça va arriver et on va voir des super joueurs dans le futur en équipe de France avec des vrais spécialistes. Ouais, déjà que nos jeunes pousses, hein, les U16 ont obtenu à Varna en Bulgarie la médaille d'argent, une première médaille pour l'équipe de France historique et qui, on l'espère, eh bien, est le prémisse d'une moisson à venir. Ah, l'équipe de France beaucoup plus présente. Il y a un soupçon de réussite parce que la défense était plus présente. Défense plus présente aussi a permis en début de set à Hélène Falcon de faire quelques arrêts et on voit beaucoup plus de disponibilité et de solutions en attaque, même si encore ici on a la gardienne grecque Magdalani Kepesilou qui sort le grand jeu face à Thaïs Vigourou qui va y retourner. Ah, superbe, elle a réussi à revenir sur ses appuis Kepesilou pour mettre en échec une nouvelle fois Thaïs. Thaïs Vigourou qui s'est arrêté, qui avait un peu peur du contre, je pense, et qui, avec la perte de vitesse, du coup, derrière, c'est difficile, après un 360, de trouver la solution et de battre la gardienne. Patricia Tchepa, la passe derrière, avec un tir beaucoup plus ouvert pour Kemena Laguna. Voilà, ça, c'est une tactique qu'on emploie très souvent quand on est en difficulté sur un tir délié avec des contreurs qui sont en place. On fait ce qu'on appelle au beach handball une back pass, une passe en arrière après le 360. Et là, on a retrouvé la spécialiste et on a marqué deux fois. Elle n'applique pas aux Françaises avec celui de Laurine Pierrot, le coup de fou. L'important, c'est de rester en contact avec l'équipe de Vela. Ça joue bien. Ça, ce genre de petits coups comme ça, on n'arrivait pas, on ne les voyait pas. Déjà, d'une part, samedi, parce qu'il pleuvait, le ballon était glissant, donc il n'y avait pas la maîtrise parfaite du ballon. Et puis surtout, c'est pas les aptitudes de la partenaire. Là, ça se trouve, il y a de belles choses. On a des automatismes défensifs pour permettre encore une nouvelle intervention de la gardienne. Ces deux jours avec du soleil, c'est vrai que le ballon ne glisse plus et on a vraiment du très beau beach handball avec des figures techniques très spectaculaires. Encore un coup de fou ici de Patricia Chapa qui permet à Vela d'avoir deux points de plus et de prendre six points d'avance. Il va pas falloir, Patricia, il va falloir de rester en contact avec cette équipe de Vela, sinon ça va être très très difficile d'aller chercher le shootout. La barre transversale pour Laurine Perrault. Tiens, on va s'arrêter sur un dispositif en attaque. Là, on a vu Laurine Perrault qui était pivot, qui finalement est ressorti. Puis on avait eu donc 4 joueurs à plat, on est 4 joueurs autour, c'est cela. Alors que là, on a une joueuse Gisela Bonomi qui vient vraiment en position de pivot pur. Donc c'est vrai qu'on a assez variété dans les enclenchements, on va dire, des articulations offensives. Denis Lafleur-Cubert. Ah, la nuit aussi hier, les Français jouaient à 4 autour qui leur ont permis de gagner ce match. Voilà, c'est le choix. Là, c'est vrai que l'équipe de Vela avec Gisela Bonomi est une vraie pivot. Voilà, il a cherché le ballon, mais elle va aller se positionner en pivot. Et Renata Zicchi, qui est vraiment comme Bruno Oliveira, brésilien, peut
peut envoyer des ballons comme ça, ouais. Soit à l'ailier, soit au pied. Laurine Ferro avec la néerlandaise Rian Moll qui s'est bien bagarré entre avec le Rian Moll et Elisabeth Amerstadt. On a vraiment deux postes 3 très solides, très compacts. Et c'est bagarré. Linné Christensen, Sophie Matondi, et en recoupant les informations, est la meilleure recruteuse encore sur le circuit. La meilleure recruteuse actuelle du circuit, Linné Christensen. Anne Black, la brésilienne. Patricia Chepa, ouais, au moment où les Françaises commençaient à se rapprocher un petit peu, elles ont mis un dernier coup de collier. Allez. Jeu de cette team Vela, Thaïs Vigouroux. Ça va passer au tu vois. Là, on arrive en fin de set. On a beaucoup couru. C'est du coup défoncé. Il manque un petit peu d'essence là. Un peu de vitesse pour essayer d'aller chercher, pour se rapprocher des cages et d'aller chercher la gardienne des parcs. Allez, ce sera trop long ce dernier Kung Fu. Victoire 2-7 à 0 de la Team Vela face à l'équipe de France. On est là pour apprendre. C'était les mots de Paul Mourioux et de Marion Limal avec leurs équipes de France respectives. L'apprentissage passe par certaines défaites et puis par faire le constat de qu'est-ce qu'il nous reste à accomplir dans quel secteur pour progresser. Oui, ben ça va nous permettre de progresser, ça c'est sûr. Toute l'expérience peut engranger chez les filles, chez les garçons aussi. Donc il faut passer par des défaites pour pouvoir gagner derrière et aller chercher des titres. Voilà, ce sera la pensée positive de cette fin de match. Victoire de Vela face à l'équipe de France à suivre dans quelques instants à 14h. L'équipe de France masculine qui va faire c'est son premier match de la journée à l'équipe de France. Oui, des garçons de Paul Mourioux qui, on l'espère, va livrer une belle partie comme elle, avec la belle impression qu'elle nous avait laissée hier soir. Merci à toi, Jérôme Roland. On va te retrouver, je pense, en tant que délégué encore hein, d'ici la fin de la journée. Et au plaisir de t'avoir de nouveau à notre micro. Merci, Jérôme. Merci, Jocelyn. C'était vraiment très, très agréable. Au plaisir de te revoir. Donc, du coup, et puis, le rendez-vous en indoor et puis aussi le stage d'arbitre la prochaine fois. Rendez-vous. Merci. Allez, à tout de suite. Merci.